Nous sommes à Ardon où les résultats viennent de tomber. C'est Pierre-Marie Brocard, le nouveau président de la commune. Alors, monsieur Brocard, votre réaction face à cette victoire ? Ben, c'est magnifique. Je ne m'attendais pas à un résultat pareil. Je suis vraiment satisfait du travail qu'on a fait avec notre comité de campagne, le président Christophe Papillot. Les résultats sont là. Le travail a été effectué pour atteindre un bon résultat. Et aujourd'hui, je suis très satisfait. Je suis vraiment heureux. 625 voix, c'est un résultat satisfaisant. Plus que bon, comment vous le considérez ? C'est plus que bon, 60% des électeurs m'ont voté, donc je peux être que satisfait. Nous avons gagné vraiment avec un très bon résultat. Pierre-Marie Brocard, merci. Je me tourne vers vous, Yves Gaillard. Alors, vous ne serez pas le premier président UDC du Valais-Roman. Votre réaction aujourd'hui ? Tout d'abord, la première de ma réaction, c'est de féliciter M. Brocard pour son élection, de remercier aussi les plus de 400 personnes qui ont voté pour moi. Et puis également de dire que si on regarde en fait les conditions de départ, on a fait 2 sièges aux élections communales, ça représente 25% de l'électorat. Monsieur Brocard en avait 50%. Il restait le 25% du PLR à qui nous avons pris les 2 sièges lors des élections communales. Vous rajoutez peut-être à tout ça une certaine crainte de voir l'UDC arriver à la tête d'une commune. Et puis quelque chose qui m'a souvent fait sourire pendant toute la campagne, c'est de dire que... On avait de la peine à voir un militaire ou un colonel à terre de la commune d'Ardon. Voilà ça peut-être pour la petite plaisanterie. Vous êtes un bon joueur Yves Gaillard, merci beaucoup. Je rappelle que c'est Pierre-Marie Brocard qui est le nouveau président de la commune d'Ardon.